Reportage très spécial, premier coup d'œil à la version de production de la Mercedes AMG One, la super voiture de la division Mercedes AMG. On l'attendait depuis longtemps, voilà maintenant que les modèles de série arrivent. Mercedes AMG va en produire 275 unités. Elles sont déjà toutes vendues à un prix de 2 275 000 euros chacune, avant taxes bien sûr. Et ce qui est important de considérer avec cette voiture, c'est que c'est essentiellement une voiture de Formule 1 pour la route. C'est-à-dire que la structure, évidemment, en composite de carbone, monocoque, le moteur, qui est aussi un élément structurel, le moteur et la boîte de vitesse sont des éléments structurels de la voiture. Et à l'avant de la voiture, on a aussi le moteur électrique avec une transmission en fait à un seul rapport. Donc ici, ce que l'on a, c'est véritablement la technologie de F1 pour la route. Et on va regarder en détail non seulement l'intérieur de cette voiture, mais aussi ses composantes techniques. Il convient maintenant de parler un peu du moteur. Le moteur, en fait, le V6 1,6 litres est localisé juste ici, très bas dans la voiture et en position presque centrale. On remarque ici aussi les catalyseurs pour le système d'échappement et aussi les éléments de suspension qui sont classés ici transversalement. Dans cette partie de la voiture. Ce qui est absolument remarquable, c'est de savoir que ce moteur développe, en fait, tout le système développe plus de 1000 chevaux, 1048 chevaux, que la répartition des masses de cette voiture aussi est presque parfaite puisqu'elle est de 51% sur le train arrière, 49% à l'avant. Et il s'agit d'une voiture qui est très légère. On parle d'un peu plus de 1600 kg. Croyez-le ou non, il y a même certaines options qui sont disponibles sur cette voiture, comme par exemple ici, cette peinture au design qui rappelle celui des Formule 1 de l'écurie, évidemment, Mercedes AMG. Aussi, les roues en magnésium, ça aussi, c'est une option sur cette voiture. Et aussi, le petit motif sur la ceinture de sécurité. Et évidemment, comme il s'agit d'une voiture très exclusive, avec des clients qui sont parfois un peu exigeants, il est possible de la personnaliser avec certains accessoires, certaines couleurs ou certains détails de présentation selon les critères et les goûts spécifiques de chacun des acheteurs de la Mercedes AMG One. Nous voici maintenant à bord du cockpit de cette Mercedes AMG One. Et ce qu'on remarque, c'est évidemment que c'est presque sur le contraste en fait entre des éléments d'une voiture de série, comme par exemple les écrans que l'on voit ici, ou encore le bouton de démarrage. Mais lorsqu'on regarde le volant, on voit que c'est vraiment une mixité des deux genres, parce que toute cette surface ici supérieure du volant sont des éléments qui sont directement inspirés de la F1, comme par exemple ces voyants ici pour le passage des vitesses, ou encore ici le push to pass pour avoir un maximum de puissance du moteur, le bouton pour commander le neutre. Ici même, le bouton du Drag Reduction System, le fameux DRS que l'on a en Formule 1, qui est présent aussi sur cette voiture, donc qui permet justement d'optimiser la vitesse de pointe en ligne droite. Et dès que le pilote se met à freiner, évidemment, l'aileron va se remettre en position plus surélevée à l'arrière de la voiture. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que les sièges sont en fait fixes. Il n'est pas possible de les déplacer. Par contre, on peut déplacer le volant ici, exactement comme sur un modèle de série, et déplacer aussi le pédalier que l'on peut justement mettre à la bonne position de façon à adopter une position de conduite qui est à la fois confortable et qui permet aussi de contrôler cette voiture efficacement. Alors, je dois vous dire que c'est vraiment tout un feeling d'être assis dans cette voiture exceptionnelle. Mercedes AMG va en produire 275 exemplaires. Ils sont déjà tous vendus à un prix de 2 275 000 euros avant taxes, bien sûr.